Ces couleurs lui ont tapé dans l'œil. Septembre 2023, une employée de Louboutin découvre par hasard, sur une page Facebook américaine, des chaussures de cette série limitée en vente avant même le lancement officiel de la collection. Elle donne l'alerte à son directeur juridique. Louboutin engage alors un détective privé aux États-Unis pour trouver le revendeur. Une fois identifié, un accord est signé. Il n'est pas poursuivi, mais doit coopérer. La piste remonte alors à Paris jusqu'à une ancienne salariée soupçonnée d'avoir détourné de la marchandise. Dans les stocks Louboutin, il manque plus de 700 paires de chaussures et autant de sacs, montant estimé 1,5 million d'euros. L'avocat de la jeune femme évoque un bilan exagéré. C'est sûr que ça ne peut pas être elle, ça ne peut pas être ma cliente qui est à l'origine de l'ensemble de ce préjudice. Il doit forcément y avoir d'autres personnes qui sont impliquées dans ce dossier-là et seule l'instruction en cours pourra le démontrer. De sources proches de l'enquête, cette jeune femme de 30 ans a travaillé pendant 4 ans chez Louboutin. Elle est mise en examen pour vol en bande organisée, sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction d'exercer dans le domaine du luxe et de la mode. Elle travaillait dans le showroom de la marque, dans cet immeuble parisien, un lieu fréquenté par les professionnels de la mode. C'est des lieux qui sont animés, c'est pas des sanctuaires, c'est pas la rigueur de la boutique, ça c'est évident. Le showroom Louboutin était-il trop peu surveillé? La société n'a pas souhaité nous répondre. Mais un autre expert émet cette hypothèse. 700 paires de chaussures détournées en prototype, c'est probablement sur plusieurs années. Donc ça vient probablement d'un stock, d'un conservatoire de la marque Louboutin. On ne vient pas vérifier les stocks dans ces sociétés annuellement. Au domicile de l'ex-salarié ont été saisis de nombreux articles Louboutin d'une valeur de 60 000 euros. Et également pour 85 000 euros de la marque Dior. Depuis un an, elle travaillait dans cette nouvelle maison à un poste équivalent.